Et bien salut tout le monde, c'est EpoGamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une map à plus de 10 milliards de dollars sur MCPE. Donc je sais que cette map a été présentée pas mal de fois, mais je me suis gardé la surprise pour pouvoir vous la présenter et faire une vidéo sur cette map, tout simplement parce que j'aime bien vous présenter des petites constructions comme celle-ci. En tout cas, ça va être parti, on va tout de suite commencer. Donc c'est parti, on va appuyer sur le bouton et hop. Ok, 3, 2, 1, ok. Ok, welcome to the map, c'est vraiment bien fait. Donc ici on a les crédits, on a pour commencer et les infos. On va aller ici, c'est plutôt... Ah, c'est vraiment bien fait. Ok, c'est plutôt bien fait, donc j'ai installé un petit shader, tout simplement, comme ça c'est encore mieux. On va aller voir tout simplement les infos ici. Ok, infos, ok. Ok, c'est vraiment bien fait. Ok, parfait. Donc on va commencer directement, start. Hop, c'est parti les amis. J'espère que le bouton fonctionne par contre. Normalement il devrait fonctionner. Ok, non. Ok, ça fonctionne, il fallait juste appuyer sur les crédits. Et c'est vraiment trop bien fait, cette map est vraiment magnifique. Ok, chargement, done. C'est parti, on va voir la maison. Ok, donc là on a le créateur, The Infinity Update. Ok, 10 millions Ultra House. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ok, je ne sais pas où on va tomber. Ici. D'accord. Ok, très bien. Très bien. Diamond Sword. Ok. The Key. Oui, ok. Ok, très bien. D'accord, c'est vraiment magnifique. Donc ici, on a tout ce qu'il faut. Ok. On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a derrière? On n'a rien. Ok, on va juste suivre le chemin. Ok. Oh non, ne me dis pas que... Ne me dites... Ok, on peut revenir. Take the key before go. Ok. On va prendre la clé. Et on va aller tout simplement suivre le chemin pour aller à la maison. On va remettre le jour aussi. Ok, c'est reparti. On a remis le jour. Et hop, on arrive directement à la maison. Ok, c'est magnifique. On a un beacon dès le début comme ça qui nous apparaît devant nous. On va continuer. Alors, il y a des petits lags parce que c'est une très grosse construction, les amis. Alors ici, on a l'entrée. Drop the key here. Ok, on va... Hop, jeter la clé. Ok, est-ce que ça va? Ok, on peut passer. Parfait. Open and close, on va fermer. Ok, c'est parfait, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a des petits boutons un peu partout. On va avancer, c'est vraiment trop bien fait cette map. Elle est vraiment magnifique, en plus j'ai installé un petit shader comme ça, ça va très bien avec. Donc ici on a la carte. Tout simplement. Ok. Donc tout ça, c'est la maison. Ça prend vraiment un grand espace avec des bateaux aussi. Parfaitement ici, on a encore d'autres structures. Et ici, on a, ok, tous les arbres, etc. On va commencer par la maison. Donc je ne sais pas, elle est juste ici, les amis. Donc la maison, c'est juste ici. Waouh, c'est vraiment magnifique avec la fontaine, les amis. C'est vraiment beau. Donc, je ne sais pas du tout où elle est l'entrée. Je pense que l'entrée... Et vraiment de l'autre côté, mais vous voyez que c'est une maison, une belle maison moderne comme celle-ci. C'est vraiment absolument magnifique. On va juste avancer par ici, aller voir l'entrée de la maison. Donc c'est parti, on arrive ici, on rentre. Et oui, c'est ici l'entrée. Waouh. Ok, c'est vraiment magnifique avec la petite rivière ici, avec le petit jet d'eau. Avec le parc, le feu. Ok. Donc on va rentrer ici. Alors, doorbell, ok. Ok, ça s'ouvre comme ça, d'accord. On a la sonnerie. Ok, c'est magnifique. Et on rentre comme ça grâce à un... Ok, la commande test fort, j'imagine. Et on est dans la maison. Donc, on va commencer à visiter. Donc là, ça fait un petit bonsaï. Ok, donc là, on a vraiment le cadre d'entrée avec des styles de coffre ici. Donc, c'est des tables de craft, tout simplement.
C'est vraiment parfait. Donc je ne sais pas si c'est avec le shader que ça fait ces textures là ou c'est avec la map tout simplement. Mais en tout cas c'est vraiment magnifique. Ok, on va juste déjà visiter l'étage d'en bas. On va arriver ici dans la cuisine. Donc dans la cuisine on va retrouver une belle table, une très belle table d'ailleurs, avec un beau cadre. C'est vraiment magnifique ce cadre. On a ici, ok, donc d'autres cadres, The Kitchen je l'avais dit. Encore des cadres avec du feu, un feu ouvert. Et ici on a vraiment la cuisine. Donc ici on a le micro-ondes bien évidemment. Ok, c'est vraiment bien fait les amis. Ici on a la viande cuite. Put any food on the chest and ok. D'accord. Ok, ici on a le petit frigo qui fait plaisir. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment bien fait. On va passer à l'autre pièce qui se trouve juste ici. Donc c'est une petite pièce de transition. Regardez, c'est magnifique. On a une petite peinture tout simplement de la tour Eiffel à Paris. C'est vraiment bien fait. Et ici on a des bannières vraiment absolument magnifiques. Ici on a un petit coin PlayStation for Gaming. Ok, donc on a le coin PlayStation. C'est vraiment magnifique. Ici on a des petits rangements. Ici on a encore des cadres avec, oh, cet arbre. On a vraiment, click here. Je pense que ça c'est l'ascenseur les amis. Donc on va y aller juste après. En tout cas c'est vraiment vachement bien fait. Je m'inspirerai des commandes pour tout simplement vous les faire en tutoriel, ces commandes-ci. Donc ici on a un petit bureau tout simplement avec des ordinateurs. Ça c'est vraiment magnifique. On a une très grande pièce ici. Donc ici c'est quoi? Donc on a des coussins. Donc c'est vraiment une petite bibliothèque pour se poser tranquille. Un coin CD ici. On peut mettre des CD. Ah c'est vraiment... On a une autre porte ici. Ouais, voilà. Ok, on a vraiment une autre porte. On a vraiment le bruit des pistons. Je ne sais pas si vous entendez ça. C'est vraiment magnifique. Alors ici on a une bathroom. Du coup la salle de bain. Ok, c'est vraiment bien fait. Franchement, c'est une très très belle map, une belle maison. Franchement, j'aime bien le concept. Donc je reprendrai peut-être les commandes qui se trouvent dans tous les commandes blocs, tout simplement pour vous les faire en tutoriel. Ici, on a une belle petite toilette, etc. C'est vraiment magnifique. On va sortir, on va continuer ici. Ça a l'air d'être un cadre, c'est vraiment bien fait, hein. Encore une fois. Donc tous les cadres sont bien faits, je vous laisse prendre le temps de regarder chaque cadre avec le coucher du soleil, etc. On a le garage qui se trouve ici, magnifique, avec la petite Ferrari comme ceci, c'est vraiment trop stylé. Avec encore une fois ce cadre-ci, avec ici, open and close. Non, sérieusement, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok, d'accord. Et ok, là on peut la refermer, loading et down. Ok, vraiment absolument magnifique ce système. Oh là là, dit. Et là, ici, on a le restrooms. Ici. Ok, complètement avec la petite piscine et la terrasse. C'est vraiment magnifique. Donc, on a la piscine. On peut se prendre une petite... ok, une petite baignade. C'est vraiment bien fait, franchement. Le créateur de la map, je vous mettrai de toute façon la map en description, mais vous la trouverez toujours sur le site de MCPEDL tout simplement. On va monter à l'étage les amis, donc cet étage on l'a déjà fait. On va prendre l'ascenseur, parce qu'on peut prendre les escaliers, mais on va tester déjà la commande de l'ascenseur qui pourrait être plutôt pas mal, moi je dis. On va se mettre ici. Et donc lorsqu'on va appuyer sur ce bouton, click here, on appuie. Ok. D'accord. On arrive en bas, on a... Ok, je comprends. On arrive au sous-sol, donc Soft Fest Bathroom. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ok, d'accord. Light. Ok, on peut allumer et éteindre les lumières comme ceci. Oh, c'est magnifique. Wow, ok. Donc ça, c'est les chambres de l'ami. Ça a l'air d'être ça. Alors ici, safety base from nuclear attack. Ok, des bases. Donc la base de sécurité pour des attaques nucléaires. Close the main door. Ok, please wait. Ok, on attend. La porte principale doit être fermée, du coup. Beacon on. Ok. On. Open the main door. Ok. Done, ok. Beacon off, ok, c'est vraiment... Waouh, ok, beacon off, on va le mettre en off. Ok. On va appuyer,
Ça ne fonctionne pas? Non. On peut juste les activer, ok. D'accord, elles sont déjà activées. Donc, on va continuer notre petite visite. Et on a encore un endroit ici qu'on n'a pas fait. C'est quoi ici? Stockage room. Donc là, ça doit être la salle des coffres, bien évidemment. Avec pas mal de choses qu'on pourrait mettre dans le coffre. Dans les coffres, il n'a pas mis des choses intéressantes dedans. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter boost. Jump boost plus 100. Ok, d'accord. J'ai compris. On va recommencer ça. C'était plutôt pas mal. Hop, c'est parti. Ok, on s'est raté. Ok. Donc on peut remonter comme ça facilement. Hein. Bon, par contre, si vous êtes en survie. Ok, c'est bon, on a réussi. On va passer par l'escalier et on va monter à l'étage cette fois-ci. Donc ici, on était à l'escalier, on peut descendre. Oh, ok, on peut descendre ici. Il y a juste un étage secondaire encore. Point the arrow on the middle. Ok, mettre les flèches au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc on a les coffres ici qui s'ouvrent. Non, ok, c'est trop bien fait. Et si on ferme? Ok, c'est absolument magnifique. Je vous ferai ce système là si jamais vous voulez. Dites-moi ça dans les commentaires. Et on continue notre visite, on monte au-dessus. Donc les amis, ici on a la belle terrasse absolument magnifique. Avec le petit shader, ça rend vraiment bien les petits nuages. On a la fontaine, exactement, c'est vraiment parfait. On a la porte ici qui rend bien avec ça. Ok, donc ici on a quoi? Living room. Ok, oh c'est vraiment et absolument très 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 bien fait. Donc on a le living ici, au-dessus. Vraiment une petite maison de luxe, c'est vraiment parfait. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite pièce, donc un bureau. Il est marqué quoi? Gaming setup, ok, c'est vraiment la chambre du youtubeur, quoi. Oui. Ok, c'est absolument magnifique. Ici, il y a des boutons, ok. Oh, waouh. Les cadres sont aussi vraiment bien faits dans ce texture pack. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bedroom, donc la salle, donc la chambre, tout simplement la chambre de luxe avec aussi une petite terrasse et vue sur l'hélicoptère, bien évidemment, sinon tout n'est pas fait à 100%, hein, les amis. Alors ici, on a la belle petite chambre, donc le tout ce qui est autour de la maison, je vous mettrai pas dans cette vidéo aussi, vu que c'est assez long, je vous laisserai voir par vous-même, je vous présente juste la maison, tout simplement. Donc ici c'est la bedroom, on va vite accélérer parce que ça fait pas mal de temps qu'on tourne. Ici on a les bureaux, donc the office, on a un bureau ici et un bureau ici, et je pense que c'est vraiment très très magnifique comme je vous l'ai dit. Et ensuite on n'a plus rien, on a fini, on va juste les amis sortir dehors pour vous montrer un peu le tout. Le tout de la maison. Donc voilà ce que ça donne les amis. Donc ici, ensuite ici pardon, on a une grosse piscine avec un gros lac, on a une petite tour d'observation, on a un hélicoptère ici et ici on a une base. Et j'imagine qu'on peut monter, qu'on peut y aller par ici et accéder. C'est ouvert. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver tout simplement un avion, bien évidemment. Open and close. Qu'est-ce qui... Ok, alors attendez. Funny fact. Ok, donc c'est une île privée, donc on peut aller que avec ce jet privé, tout simplement. Open and close. Oi, 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 les amis, c'est vraiment trop bien fait. C'est vraiment magnifique. Le seul truc, c'est si jamais il y aurait un mode pour tout simplement décoller avec cet avion et partir comme ceci, ce serait vraiment magnifique. En tout cas voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur cette map vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était iPodGamer172. Allez bye tout le monde, ciao.